Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 en carrière joueur. Et comme je vous ai parlé dans l'épisode 2, tout au début, voilà, je me suis remis enfin buteur, comme vous pouvez le voir là. Donc, et comme vous pouvez voir, du coup, je passe à 72 de général, puisque j'en avais déjà gagné un. Donc, du coup, au lieu d'être à 71, je suis à 72 et bientôt à 73. Donc voilà, j'ai retrouvé mon poste. Donc quand vous modifiez le poste dans vos paramètres de joueur, du coup ça modifie également votre général. Donc c'est bon à savoir. Je pensais pas que ça aurait modifié ou quoi que ce soit. Mais du coup voilà. Comme vous le savez, maintenant on peut changer. On peut être soit à gauche, soit à droite, ou soit rester dans l'axe. Enfin tout dépend de ce que vous avez mis tout au début. On va voir si ça change ou quoi. Du coup j'ai joué quelques petits matchs juste avant. Non, j'ai pas joué de match. Si j'ai joué ce match là, voilà, on a perdu 2-0. Donc voilà, on est sur 5 matchs, 0 but. Faudrait quand même marquer parce qu'on est quand même titulaire. On a la chance d'être titulaire et on marque pas. Donc il va falloir se réveiller un petit peu. Donc, la composition, donc ça a fait tourner. Ouais, ça a fait pas mal tourner. Donc comme je vous dis, c'est un petit peu le souci qu'il y a actuellement. Enfin, je vais le répéter assez souvent, mais voilà, c'est le problème, c'est que ça fait pas mal tourner, ça fait tout le temps tourner, et c'est un petit peu embêtant, parce que tu peux faire genre jouer deux nouveaux joueurs, mais là, le problème, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs, 5, 6, non, 3, 4, 5, 6, il y a 6 joueurs là qui vont changer. Et ces 6 joueurs, vous avez vu, ils dépassent pas les 70 de général en fait. Donc c'est très très embêtant. Allez, on est parti. On va voir si mon joueur déjà est mieux en tant que buteur. Je pense pas que ça change énormément les stats. Mais il faut qu'on marque, hein. Faut qu'on marque, Henry. On peut pas laisser Ribéry tout faire. Oh, il a du soutien. On va se mettre un peu sur le côté. Essayer de rentrer dans l'axe, mais physiquement, je tiens pas. D'ailleurs, je viens juste d'y penser, mais on peut demander à jouer offensif. Hein. On peut demander de jouer offensif maintenant sur ce FIFA. Essaye de trouver la faille. Et encore une fois, je voulais la faire à Ribéry. Ah boum, allez. C'est ah dommage. Oh, oh la petite erreur. La petite erreur. Allez, ce but il fait du bien. On a besoin des 3 points si on veut jouer l'Europa League. En tout cas, j'ai hâte quand même d'être à la fin de saison pour aller voir les autres classements des autres championnats. Parce que, comme je vous dis, avec ce système du fait que les équipes remplacent pas mal leurs joueurs, il va y avoir sûrement des gros clubs qui vont être relégués en fait. Donc, va falloir même également faire attention, par exemple, quand on va recevoir des offres de gros clubs comme, Manchester City ou des Manchester. Oh! Cette chance encore ou des offres de gros clubs en tout cas qui soient pas relégués en fait, parce que en fait ça peut arriver dès la première saison. Conclusion, et le gardien qui se saisit du ballon finalement. Il était bien placé, mais c'est quand même pas ça qui a fait déjouer l'adversaire. Il faut qu'on fasse attention à ça, parce que vous avez vu le dégagement du gardien, la main à chaque fois il y a un défense. Ça aussi c'est un bug, faut qu'il règle. Sur l'aile. Trouver une option disponible. Oh, c'est dans mon dos. Pour l'instant, c'est compliqué. Hein. Putain, c'est. Oh, c'était sûr. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer. Oh, bien joué, Ribéry. Oh, mais. Oh non, mais j'ai pas de chance, Je tape tout dans les poteaux. Oh là là, oui, bien joué. Merci le poteau. Merci le poteau. Oh là 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 là. Ah non, c'est pas bien fait ça. Allez, on repart avec les 3 points qui étaient inespérés. Allez, du coup on est parti, match face au Milan C. Du coup on est 10e. Comme vous pouvez le voir, vous avez vu la Juventus qui est 7e. Hein. Qui est 9e plutôt, 9e pardon. 9e, donc je vous dis, on va avoir un classement. Ça va être quelque chose. Hein. Allez, hein, l'équipe type, hein, j'espère. Hein. L'équipe type là. Eh ouais, là c'est l'équipe type. Allez, celui-là, il faut qu'on marque là, putain.
Allez, c'est parti. Il y a Psyekweta qui a rejoint le Milan AC et qui est déjà capitaine. Hein. Il n'a pas le temps. Évidemment. Allez, voyons voir un peu l'équipe du Milan AC. La composition de l'équipe de l'AC Milan. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma, Mattia Caldara. Ça va être un match compliqué quand même. Là, ça va être un match. Heureusement qu'on a pris quand même 3 points juste avant. Et pour finir, il y aura 2 joueurs devant. Allez, let's go. On va se concentrer un maximum là pour ce match. Franck Ribéry. Oh là là, ce ballon de Ribéry sur son côté gauche. Ouais, c'est sa marque de fabrique. Provoquer les défenseurs et ensuite délivrer des centres millimétrés. Voire... Oh, oh là 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 là. Facile. Je sais pas comment j'ai fait pour récupérer ce ballon, mais je l'ai récupéré. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Avec un tir. Voilà, je tente les frappes de loin, on sait jamais. Hein. Même si j'ai pas forcément une bonne frappe. Terebic. L'occasion peut-être de mener. Eh oui! Eh oui, monsieur! Le but! C'est bien fait. Hein. Un avantage à préserver jusqu'au bout si possible. Hop là, là le défenseur éliminé derrière. On voit les images, on était dans une situation de jeu nettement plus favorable. J'ai l'impression de rien apporter à l'équipe en fait. Juste là, juste pour la conduite de balle, comment je galère de ouf. Bon, le défenseur oh mais non. On casse Paqueta. La petite Paqueta. J'aime bien le nom. Paqueta. Paul Dybala. Franck Ribéry. Ribéry. Oui, l'ouverture de Franck Ribéry. La frappe. Mais non, mais le gardien, il arrête toutes mes frappes. Pour une fois, j'arrive à trouver l'espace. On casse Paqueta. Et je sais pas quand est-ce que je vais le marquer ce premier but, hein, vraiment. Je suis déjà en train de douter, quoi. Je veux bien attendre, être patient, mais bon, comme. Oh, puis on se prend des buts. Ouais. Essaye de trouver la faille. Marco Bellassi. Allez. Un magnifique. Non, 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 qu'on vienne pas me dire, et qu'on vienne pas me dire que là, non, mais je suis maudit. Hein. Je suis. Ah, y a hors-jeu. Ok, y a hors-jeu. Mais bon, quand même. Bon, on est dans le temps additionnel. Malheureusement, toujours pas de but. Il nous reste un match. Et j'ai peur de vraiment marquer mon but hors vidéo, hors épisode. Hein, vraiment, c'est ce qui va arriver de toute façon. Allez hop, 3-0. Ouais, c'est terminé. Et on est 14e. On est 14e. Allez, on est reparti. Toujours avec les bonnes équipes, c'est bon, les bons joueurs. Salut à tous, bienvenue. Allez, à on est reparti. Florence, la magnifique ville de Toscane. Allez, let's go là, à domicile. Pour cette nouvelle rencontre, c'est Hervé Matou avec, vous vous en doutez, à mes côtés Pierre Ménès. C'est du foot italien qui est au menu aujourd'hui, un match de Serie A. La Fiorentina face à l'Udinese. Et des problèmes à la défense adverse. Ah, elle passe en profondeur, attention. Mais non, mais je vous dis, je suis maudit, c'est pas possible, c'est pas possible. Chercher une ouverture, bien sûr. Attention. Et voilà, beaucoup d'autorité. Dans... Les gardiens, ils sont bons aussi hein, cette année, j'ai l'impression. Oh là là, allez le chercher, ce... Et ça y est, l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Et maintenant, ça y est les gars. Ça y est. Putain mais c'est quoi ce but de merde. Mais cette fois-ci on n'est pas en jeu. Ah du pied gauche. Premier but du pied gauche. Ah c'est pas. En tout cas celui-là je m'en souviendrai pas. Hein. Oh quel but. Quel but de merde. Mais on l'a mis. Ils prennent leur temps. Ouais la tentative. Là j'ai mis un peu trop de puissance. J'ai mis un petit peu trop de puissance. Mais là physiquement j'ai réussi. Ouf. Ok d'accord. Vive la frappe. Allez essayez de mettre le doublé là. Ouais c'est donc repas. Boateng. Qu'est-ce qu'il va faire ? Yes ! On l'a joué collectif. Allez ! Oh là, et là j'ai hésité, hein. Là j'ai hésité à enrouler, là après je me suis dit, ah je suis parti trop sur le... Et là c'était limite, hein. Là c'était limite quand même, hein, la passe. Hein. J'étais pas loin de la perdre hein, quand même, on a eu de la chance, on a eu de la chance.
Bon, en tout cas, je suis content. Je vais pouvoir avancer dans mon coin. Maintenant que j'ai marqué mon premier but en vidéo avec vous, je voulais vraiment vous l'offrir en épisode. J'adore hein, cette caméra là qui bouge. Marco Benassi. Ah, le contrôle. Oh, peut-être. J'en profite. Ça va être difficile de se prendre le gardien. Oh, la frappe écrasée, mais putain. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? C'est bien donné dans l'espace. Et bah voilà. Et le doublé. Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus. Et voilà, la petite célébration. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. C'est son deuxième but. Et là je l'ai pas enroulé. Je l'ai pas enroulé là cette fois-ci. À chaque fois que j'enroulais, c'était pas assez fort ou ça marchait pas. Là, j'ai tiré en force et ça a fonctionné, j'ai bien fait. Allez, deux buts, une passe. On a fait le match parfait, je pense hein. Oh là 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 là, en plus on a des contres. Parce que je la joue sur Ribéry. Ouais, j'ai trop. Je savais pas trop là où la donner là. Marco Benassi. Oh là 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 là. On aurait pu tenter le triplé. Ouais, premier match triplé. Franchement, ça serait beau. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. 3 minutes de temps additionnel. Allez, peut-être là-dessus. Il n'y avait pas le choix, il fallait vraiment qu'il revienne. Ah, pas de problème, hein. Ça, le ballon circule bien. Ouais, ils font vivre le ballon, c'est intéressant. Chercher une ouverture, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention! Oui! Bah voilà! Voilà! Là, c'est son troisième but hein, dans ce match. Triplé! Ça y est, on s'est réveillé. Il est là, le jeune talent. Il est là. Il s'est enfin réveillé. Après tant de pression mise sur ses épaules, aux côtés de son ami Franck Ribéry, Matt Henry a enfin ouvert son compteur personnel avec un triplé en championnat. C'est beau. C'est beau. Et du coup, on va s'en souvenir maintenant. On va s'en souvenir de nos trois premiers buts. On va s'en souvenir, même le premier but qui est tout pourri. Yes, les gars, yes. En tout cas, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Hein. Parce que là, on va récupérer le ballon. Et bah, je suis bien content. Je suis bien content. Si on m'avait dit que c'est juste que je décrochais trop. Je pense que je décrochais trop. Là, à chaque fois, je restais tout le temps dos à la défense. Et dès que je pouvais me retourner et frapper, je le faisais. Oh la note, note de 10. Voilà, note de 10, c'est parfait. Et du coup, au classement, j'ai l'impression qu'on n'avance pas dans le classement. Bon, je pense que l'Europa League, ça va être compliqué quand même. Mais bon. Enfin, est compliqué. Jusqu'à la sixième place, il y a que un point en fait. Donc au final, non, pas du tout. Et ben voilà, en tout cas pour cet épisode, moi je vais continuer à m'entraîner, faire les entraînements, surtout progresser au niveau de la vitesse. Et ben du coup, on va se retrouver. Alors, où est-ce qu'on peut se retrouver? Ah là, il y a un Inter AS Roma avec match de coupe. Ben peut-être qu'on se retrouvera là. Comme ça, moi j'ai pas mal avancé. Je peux bien avancer s'il n'y a pas de gros match à part face à la Lazio. Donc je vais voir en tout cas. Mais voilà, enfin on a marqué nos 3 buts. Voilà, 8 matchs joués, 3 buts, 4 passes. Déjà c'est un peu mieux qu'avant. Donc déjà ça fait plaisir. Du coup, voilà en tout cas pour cet épisode. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu pour ce triplé de Henry. Et puis nous on se retrouve très très vite pour la suite de la carrière joueur. Ciao tout le monde.